Bonjour à tous et à toutes, je suis Arlis et bienvenue pour la suite de Neverwinter Nights, Hold of the Hunter Dark. La dernière fois c'était l'épisode 200, l'épisode 200 de l'ennui, de la difficulté, de tout ce que vous voulez, mais de la réussite puisque désormais nous avons fini une île. Voilà. Voilà, donc ils m'ont mis un truc, des machins, des bidules, etc. Donc, nous avons fait une île sur les... Enfin, une île sur les deux qui est donc disponible dans le jeu. Mais aussi, nous avons donc fait... Caméra, merci. Nous avons fait deux actions... Tout le monde parti maintenant? Nous rentrer à la maison? Oh, Dickin faire les magasins d'abord. Dickin avoir besoin de chaussures. Je t'emmerde, Dickin. Comment ça se fait que non? Alors non, déjà, je suis pas d'accord. La caverne est vide. Oh! Ok, donc oui. Donc je disais, nous avons donc deux tâches de fait sur les cinq. Alors là, c'est pas marqué, mais en gros, normalement, ça c'est réglé. Je sais plus ce qui est réglé. Je sais que tout ce qui est Zorvac Mur, c'est réglé. Ce qui est donc de cette île, c'est réglé. Et nous allons donc passer à la deuxième île. Qui est donc celle des. De l'autre île. Voilà. Parce que j'ai aussi la solution à côté de moi. Mais voilà. Donc on va donc retourner au campement. Voir s'il y a une cinématique qui s'active. Ok. Bah, pas de cinématique. C'est parfait, tu me diras. Donc, du coup, sauvegarde rapide. Et nous allons donc traverser la rivière et aller à l'île du Feather. Voilà. Quelle des questions? Parlez-moi de cette île. Oui. L'île du Feather. Alors, l'île du Feather est un ensorceleur d'Oueyer, très ancien. Nul n'avait le Feather depuis des siècles, mais ses créations, les golems, rôdent encore sur l'île. Si vous croisez le faiseur, vous pouvez le convaincre, blablabla. Ok, et ben allons-y. Donc ça va être ça, cette session-là que je vais découper en plusieurs épisodes. Je ne sais pas combien, parce que je ne sais pas combien de temps va durer la session. Eh bien, nous allons faire cela. Alors j'ai une solution à côté de moi. Voilà. Parce que, je le redis, parce que je n'ai pas envie de perdre 4 heures. Et à la moindre difficulté, eh bien, je n'hésiterai pas. Je vous le dis. Je n'hésiterai pas à utiliser des... Vous ressemblez à des duergers. Oh. Peut-être des nains gris. Eux peut-être amicaux, chef. Mais oui. Attention, ancien chef dire que eux, être grincheux est pas bon. Ouais, on va parler à lui déjà parce qu'il a une tête de PNJ. Donc je disais, à la moindre difficulté, tricherie. Enfin, oui. Cheat code. Alors le gars, vous essuyez des pieds à la tête, jugeant aux forces et tentant d'estimer la menace que vous représentez. Constatant que vous n'avez rien de style. Rares sont ceux qui viennent sur cette île, surtout depuis la surface. Que faites-vous ici? Venez-vous en paix? Je veux le Dwegar, c'est l'étonnement tout au quotidien. Je suis d'un âge derrière cette expédition. Et que faites-vous ici? Ce sort de trésor et les sacs, c'est-il abordé à plus en mage de Dwegar qu'on appelait le Feather dans les gens. Lui a disparu depuis longtemps, mais c'est. Ah, les métaux précieux et les morceaux de golem dans les ruines de la tour du Feather, c'est surprenant, ça peut vous offrir un bras en adamantium. Ce que certains peuvent vous offrir pour un bras en adamantium, d'accord. Feather, ouais donc. Qu'est-il devenu? Réparateur, d'accord. Alors, je cherche des alliés pour la Valchiresse. Oui. Persuasion, échec. LOL. L'attaquer, très bien. On va continuer. Persuasion, échec. On va essayer donc. Intimidation, échec, LOL. Bon bah un mode c'est il. Ok, bon.
Bon, d'accord, alors j'ai acquis une nouvelle quête. Donc des golems sur l'île, donc c'est celle-ci. Alors, normalement, techniquement, hein, je ne peux pas les ramener à ma cause, donc du coup, va falloir que j'explore un petit peu cette île. Sans doute joncher rempli. Et en parlant de joncher de rempli, non, ça va, j'ai un peu de place dans dans mon sac. Qu'est-ce que... Dekin, d'accord. Dekin, oui, Dekin. Alors oui, Dekin, maintenant des ailes des ailes pour voler. J'estime que c'est normal. Qu'à partir d'un moment où Dekin, il fait sa vie, il se découvre une nouvelle race. Hein, qui suis-je pour juger? Personne. Alors j'explore un petit peu l'île. Hein. Un superbe caillou. Oh, une maison. Oh, elle est belle. Est-ce que je viens de faire le tour comme un gros mongolo? Entrée du donjon. Ah, j'ai fait le tour. Ok. Donc, eux, ils sont là. D'accord, très bien. Alors, voyons, il n'y a rien ici. Bon, sur les côtés, je pense qu'il n'y a rien. Mais on explore un petit peu, hein. On explore, on essaie un petit peu les cartographies cet endroit mystique, hein, l'île du Feather quand même, ce n'est pas rien. Des golems à tout va. Les golems à tout va, oui. Alors, il y a un marchand quand même, chez Dwager. Dwager. Donc, on va passer à la partie chiante, hein. Petite partie chiante que je vais appeler... je vends ma merde et je t'achète des potions de guérison suprême, pas de restauration partielle, parce que ce n'est pas la même chose. Et encore, je sais plus laquelle est la bonne. Je fais une vérification. C'était ça. Lol, c'était ça, MDR. Oui, il y a un truc marqué, pas touche la save. C'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est moi pour me repérer après le petit problème que j'ai eu il y a quelques mois. Alors, du coup. Un marchand Dwager. Un marchand, parfait. Quel plaisir. Oh, plaisir. Je souhaiterais t'acheter, que tu me vendes des trucs. Alors, tu vends aucun truc intéressant. Du coup, je vais te... Ah oui, j'ai la boussole de merde. J'ai une boussole nulle, c'est vrai. J'avais pas des armes. Voilà, si. Tiens, je te donne ça. Alors, miroir de vision totale. Non. Oui, en même temps, je suis en train de refaire un petit peu mon sac. Hein, vous m'excuserez. Si, dans mon sac sans... dans un de mes sacs sans fond, j'ai des armes. Voilà. On se refait un peu plus de thunes. Hein. Bon, j'ai aussi un petit peu de bordel, tiens d'ailleurs. Parfait, ça va aller là. Là, qu'est-ce que j'ai? Alors là, j'ai un truc inutile. Ça, c'est inutile. Ça, c'est inutile. Faut que je fasse attention à ce que je vende. Par contre, j'ai un fléau d'armes qu'on va identifier, qui me rapporte 300 000 fois plus. J'ai un anneau qu'on va identifier. Oh, grande résistance à l'électricité. Je me la mets de côté. Ça, oh bah c'est que les trucs que je vais identifier. Force plus 5. Waouh, pas ouf. Ça, je le vends. Ça. Promptitude. Réflexe 6. Ah, je le vends. Oh, chaussures de dragon. Dextérité plus 2. Renversement. Mais si. Ah, alors ça, par contre, je vais me les équiper. Parce que. Terreur. Je vous cache pas. Que quand ton jet d'immunité est dégueulasse. Eh ben, terreur, c'est quand même pas mal utile. Et puis déjà, je pense qu'on est bien. Je vais quand même reprendre quelques potions de soins importantes. Non, non, non. Non, les gars, arrête. Voilà, on va se reprendre une petite dizaine. Voilà, qu'on va de suite assimiler ici. Qu'est-ce que tu as d'autre à vendre en divers? Un sac sans fond, et eh bien écoute,
Ça va m'en faire 3. Je pense que je suis bien. Combien tu le vends? 1000. Problème réglé. Des barres d'acier, des barres de fer. Alors pour tout ce qui est craft, je ne le fais jamais. Ah merde! Attends, ça c'est à moi par contre. Là, l'MDR. Voilà, ça c'est à moi par contre, le bâton. je te l'ai vendu pour rien. En armes, bon, ça c'est moi qui lui ai refilé. Et en vêtements, ouais, je lui ai refilé toute ma merde. Et là-dedans, il n'y a rien du tout d'ailleurs. Ouais, on va faire comme ça. Parfait, et ben voilà. Donc ça c'est bon, nous allons pouvoir nous attaquer dès maintenant. Dès maintenant, si mon personnage va arrêter d'être bloqué. Dès maintenant, voilà. Voilà. Bref, nous allons pouvoir y aller dès maintenant. Dans ce petit donjon qui, j'espère, ne durera pas 4 ans. Car je l'espère que tout cela ira bien. J'espère que tout ira bien. Alors, rentrons. J'ai 4 points de vie en moins, c'est pas grave, mais j'y crois à mort. Ok. Première salle. Très, très bien. Bon. Alors déjà. Ah, Dikin. Alors oui, Dikin, je t'écoute. Oui. Alors, des gens comme Dikin, devoir aussi manger, dormir, rêver. Ça m'étonnerait. Quand j'étais en pire, je ne ressentais rien du tout. Et oui, hein, la petite référence à Shadow of the Hundred Tide. D'ailleurs, il y a une porte juste ici. Alors, je pense que ça va être le sauvegarde rapide. Pas pouvoir faire ça. Dommage, Dickin. Alors, qu'avons-nous ici? De la meurerie. Ok. Oui. Monsieur, excusez-moi. Monsieur, puis-je vous parler à... Non. Non, 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 Monsieur, je veux vous parler. Monsieur. Oh, je la sens pas. Oh, je sens que ça va être... Oh, je sens que ça va être compliqué. Ok. Bon. Oui. Je sens que ça va être compliqué dès le début. Ok. Ok. On est donc parti sur une dizaine de dégâts pour eux et moi je n'en mets que un. On est donc parti là-dessus. On est donc parti là-dessus. On est donc. Ok, bon. Je pense qu'on va s'ennuyer. Je pense sincèrement que ça commence déjà. Non, mais. Ok, alors on va faire autrement. Hein, j'ai la solution à côté de moi, donc je vous le dis. Si je m'ennuie, on va accélérer un petit peu tout ça. Sauf que je me suis trompé de chemin et je vais crever. Voilà, mais mets-la-moi. Laisse-moi passer. Allez, voilà, parfait, génial. Vas-y, suis-moi, Dikin, c'est pas grave si tu crèves. Alors, c'est la salle juste. LOL. Donc, je pense qu'on a vu le problème qui se pose, c'est qu'il y a un golem qui répare les nombres.
Donc, le but du jeu va être de se manier avant que ce golem réparateur, qui est lui, que je ne peux rien faire. Donc, laisse-moi passer. Laisse-moi passer. Ah mais. Ah mais oui. Mais alors comment je... Oui, mais... Oui. Allez. Ah mais il y en a un qui se déplace. Faudrait que l'autre se déplace. Comment vous dire que je me fais enchaîner? Non mais monsieur s'il vous plaît. Ah. Oui. Non. Bon alors bien. Ça c'est la caméra. Mais quoi? Non mais non. Ah bah le jeu il décide de ce qu'il veut en fait. Le... Non mais le... Bon. Parce que vous voyez le problème actuel. C'est bien, ça fait même pas 20 minutes. Ça fait même pas 20 minutes que... Qu'on a commencé, mais j'en ai déjà marre. Donc voilà, vite avant qu'il se régénère, vite avant que sa boîte de collision commence à se former, parfait. Non mais... Non mais à un moment le jeu va falloir arrêter de se foutre de moi. Non mais... Je rêve ou le jeu il a décidé de me faire chier aujourd'hui? Ah mais d'accord. Non mais le jeu a vraiment décidé d'être... Mais pourquoi? Est-ce que vous voyez le problème? Bon, et ben on est parti. Allez, on est parti. Voilà, nous sommes donc en debug mode. Parce que pour une raison qui m'échappe, ce golem m'a cassé littéralement les burnes. Alors. Voilà, on va désactiver le piège, on va aller là. J'enlèverai ce truc. Ah, attendez, peut-être que ça je peux me le faire. Attention, attention, la réponse. Combien je lui fais? C'est chiant. Allez, dégage. Ah, je vous le dis, si c'est chiant, moi je réfléchis pas là. Alors. Toi tu vires. Toi tu vires. Toi tu vires. Toi tu vires. Pas d'autre contrôle. Non. 2, 3, ah putain, 4, voilà, 1, allez, 2, 3, 4, pas l'autre contrôle, et il est mort. J'avais pas vu que tu mourrais, merci. Voilà, donc on est là-dessus, on va partir donc sur ce jeu qui... Au moindre problème, je n'hésiterai pas à appuyer sur une touche qui s'appelle Y. Ok, oui, il y a un problème. Je crois que Dickin est mort quelque part, donc j'irai le ressusciter juste après. Je suis désolé si le confort de jeu vous gêne. Et je suis désolé. Non, je suis même pas désolé en fait, c'est le jeu qui est dur. C'est pas moi qui suis mauvais, c'est le jeu qui est dur. Voilà, allez. Oh, surcharge du temps de mise à jour de l'IA. Ah, c'est bien ça. Bon, du coup, je vais peut-être revenir en debug mode 0. Je sais pas, moi j'aime bien ce genre de petits trucs. Quoique, non, je vais laisser. Je vais laisser comme ça. Mais juste pour vous dire que. Alors, ça va être la première astuce. Toi, tu meurs. Toi, tu meurs. Si jamais vous rencontrez un défi colossal, le premier cheat code que vous allez faire. C'est que vous allez faire passer. Alors, il faut passer plein de fois en clavier américain et clavier. En fait, il faut switcher assez rapidement de clavier américain à clavier français. C'est un petit peu chiant. Hein, je vous l'accorde. Et le truc, c'est que vous devez. Mais il n'y a pas d'ennemis proches. Il n'y a personne.
Ne te fiche pas de moi, s'il te plaît, merci. C'est que vous avez passé en clavier américain, vous allez appuyer sur la touche carré, et vous allez rentrer debug mode espace 0, avec debug D majuscule, mode M majuscule, espace 1. Ça vous affiche succès. Vous repassez en clavier, vous faudra, à chaque fois il faudra switcher et vous allez ensuite dès que vous êtes là, vous appuyez, vous cherchez, vous appuyez un petit peu sur tous les boutons. Et normalement en appuyant sur CTRL, vous allez sortir du menu du debug mode. Et vous pouvez faire à peu près n'importe quoi. Et moi ce que j'ai utilisé, donc le petit glitch du one hit kill, comme il l'appelle, en fait vous allez pointer votre curseur sur un ennemi et vous appuyez sur Y. Voilà. C'est con, c'est débile, mais il y a un moment où le jeu, il faut arrêter de lui donner sa chance et de lui dire, écoute mon gamin, mon petit, tu m'ennuies, moi j'aimerais jouer. Voilà. Le jeu, vous lui dites même pas bonjour et même pas au revoir. Tiens, regardez, golem d'argile. On va se dire que, on va dire que golem d'argile, c'est facile. Ah, 3. Est-ce que j'ai envie? Non, non, non et non. Parce que je leur mets 0 de dégâts. Si à la fin on me dit ouais tu vas affronter un énorme monstre. Eh ben non. Alors, ça peut. Hein, je le conçois, ça peut tuer tout l'intérêt du jeu, blablabla, bla, bla, etc. Certes, hein, je ne le dis pas. Je ne dis pas le contraire et je ne dirais pas le contraire. Ça tue l'intérêt d'un jeu de tricher. De tricher comme ça. Mais reconnaissez que pour ce qui veut finir le jeu. Et ben voilà, c'est en fait c'est le moins bon des trois. C'est le moins bonne, la moins bonne extension. Et je suis en facile. Ah, alors lui, est-ce que je peux le tuer lui. Voilà, je laisse un combat quand même. Peut-être qu'il va se passer un truc. Ah, il se prend quand même des dégâts. Peut-être que alors les. Là je laisse un combat, regardez, là je commence à lui mettre des dégâts malgré mes armes pas très ouf. Putain mais mon Dikinis français, je me prends 14. Allez, pour les combats de boss, je pourrais laisser. Là, non mais la Dikinis il se fait défonce. Non mais le jeu, moi j'ai envie d'avancer. Le jeu il traîne et oui, je change souvent d'avis, ne cherchez pas à comprendre pourquoi. Si ça peut, vous. Oh, Lexi Kirkan, fais voir. Ah, voilà, et c'est pour ça. Ça, vous voyez, c'est comme ça que le 54, on l'a avec ce bouquin. Sauf que moi, j'ai une Solus et ça va plus vite. Ouh, Saintes Écritures du Créateur, ça c'est intéressant. Les golems que vous créez sont comme vos enfants. Mais comme tous les enfants, il faut leur apprendre la discipline. Un magicien serait sage de recourir à certains objets pour l'aider à conserver le contrôle de ses créations. Une statue de mitral combinée avec deux doses de poudre bleue permet de produire un désactivateur de golem. Combiner un sceptre d'oreille avec une dose de poudre bleue et une dose de poudre jaune permet d'obtenir un contrôleur de golem. Pour créer un appôt à golem, prenez un cristal magique et combinez-le à une dose de poudre bleue et une dose de poudre rouge. Ces trois objets vous permettront de garder le contrôle de vos golems et d'empêcher qu'ils se retournent contre vous. Oh, oh, je prends. Allez, on va quand même essayer de faire un petit peu de magie. Oh, oh, bah, statue de Mithalar. Alors, attendez. On va tenter un truc. On va déjà tenter le premier objet. Donc. Alors. Mithalar avec deux poudres bleues. Alors, j'ai une poudre bleue. Non, ça, non. Je peux pas l'utiliser. Comment je fais pour l'utiliser? Non. Il doit y avoir un truc pour ça. Un établi ou quelque chose. Je pense qu'il y a un établi quelque part. Quand même boire un peu de café. Qui est déjà froid en plus. DM. Il est froid.